s'éveille dans mon village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage, pilon, pam pam, pam pam, pam pam, pilon gaiement, pilon, pilon, pam pam. Chaque matin le jour paraît, tout s'éveille dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage, pilon, pam pam, pam pam, pam pam, pilon gaiement, pilon, pilon, pam pam. Je me suis couché dans l'herbe pour écouter le vent. Au bord de la rivière, je me promenais. Eh bah, l'eau était si claire et le vent léger. Je me suis couché dans l'herbe pour écouter le vent, pour écouter chanter dans l'herbe, chant, chant, chant. Au bord de la rivière, je me promenais. L'eau était si claire et le vent léger. Je me suis couché dans l'herbe pour écouter le vent, pour écouter chanter dans l'herbe chant. Mi baramo à tous mes amis centrafricains. Mbolani Samba. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends sur cette chaîne pour vous raconter une histoire. Une histoire qui, vraiment, ça me dérange. Vous allez me donner vos avis parce que c'est un constat. J'ai fait ce constat et vous allez me dire si vous aussi, vous faites aussi le même constat. Donc, c'est l'histoire de ma tante d'origine centrafricaine. C'est pour ça que j'ai dit Mi Baramo, parce que c'est la langue centrafricaine. Donc, ma tante du côté de mon père d'origine centrafricaine est médium. Et elle a 30 génies à son actif connus, parce qu'il y a aussi des génies qu'on ne connaît pas. Donc, elle a 30 génies avec elle connus. Et parmi ces 30 génies, il y a un particulièrement qui est dérangeant, qui est exaspérant, qui est énervant. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que ce génie-là, pourquoi est-ce que cette entité-là est énervante. Alors, avec cette entité, je ne vous dirai pas le nom de l'entité en question, hein, parce que je ne veux pas dire son nom ici. Cette entité-là a pour habitude d'apparaître seulement quand ma tante et son mari sont en train de faire les tchoukatchouk. Donc les tchoukatchouk, c'est quoi? Quand ils sont en intimité dans leur chambre, c'est à ce moment-là que le génie vient. Il demande l'eau à boire. Et quand il demande ça, c'est pas avec la douceur, hein, je vous en prie. Il fait du bruit, il crie, j'ai soif, donne-moi à boire. Ma tante dit que mon Dieu, pourquoi est-ce que le génie là m'embête comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me fait les choses comme ça? C'est seulement quand je suis en intimité avec mon mari que toi tu viens dire que tu as soif. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'abandonner le mari dans le lit, de se lever et d'aller mettre l'eau à boire. Et si par malheur, elle ose dire que elle oublie, ou bien elle ne met pas l'eau à boire, quand elle se réveille le lendemain matin avec son mari, la cuisine est sens dessus dessous. Donc, c'est-à-dire qu'il a tout renversé. Il a renversé les marmites, il a ouvert les placards, il a fait du désordre. Complètement du désordre. Ma tante est vraiment très dépassée avec cette entité, avec ce génie là. Elle est dépassée. Les autres, les 29 autres, ils sont tranquilles. Avec eux, il n'y a pas de problème.
Mais celui-là, je vous assure, c'est grave avec lui. Il vient seulement qu'au moment où elle est en intimité avec le mari. Heureusement que le mari de ma tante est quelqu'un de compréhensif. Parce que si c'était un autre monsieur, il aurait déjà pété les plombs. Il serait déjà parti depuis avec ce genre de comportement. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que les médiums que vous voyez là, il faut respecter leur travail. Ce n'est pas n'importe qui va se lever un matin et dire qu'il peut être médium. C'est faux. Ça a tellement de contreparties, ça a tellement de difficultés. Il y a tellement de choses derrière que vous ne voyez pas. Donc, respectez leur travail. Arrêtez de les prendre pour des va-nu-pieds. Arrêtez de les prendre pour, je ne sais pas, des sous-hommes. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. C'est un métier. Il y a des gens qui disent que oh, c'est rien ça. Tirer les cartes, faire de la médiumnité. Il y a des gens qui disent que ce n'est rien, c'est facile. Ah bon? Vous savez ce qu'eux, ils endurent? Vous savez ce que leur famille endure? Parce que je vous assure qu'il y a des entités qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout gentilles. Il y en a, quand ils apparaissent comme ça, là, ça tremble dans la maison. La maison est en feu, ça tremble. Donc, respectez leur travail. Il faut vraiment respecter leur travail. Arrêtez de bouder. Quand un médium vous dit de faire ça ou de faire ça, arrêtez de bouder. Il sait pourquoi il le dit. Et il sait également ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pour cela que je voulais vous raconter cette histoire. Parce que ce n'est pas facile. C'est un boulot qui est difficile. C'est un boulot qui est dur. Et la plupart du temps, ils sont incompris. On les traite de fous dans les familles. Oh, celui-là, oh, il parle avec, on ne voit même pas les gens avec qui il parle. Il est fou, il a perdu l'esprit. Il a perdu la tête, ça. Non, ce n'est pas des fous. Et si vous avez déjà suivi le film Ghost Whisperer, qui passe souvent sur TF1, ou encore le film Medium. Medium, c'est un film qui passait à l'époque à TV+, dans les années 2000. C'est une série à peu près comme Ghost Whisperer. C'est également une dame qui a aussi des visions. Donc, si vous suivez bien ces films-là, vous suivez le film de Melinda Gordon, Ghost Whisperer. Vous suivez le film Medium. La série s'appelle Medium. Vous allez voir que le travail, là, c'est un travail qui est compliqué. C'est un travail qui est difficile. Ce n'est pas n'importe qui va se lever et dire qu'il peut être médium ou bien s'auto-proclamer médium. Jamais. On ne s'auto-proclame pas. C'est un don qu'on a. C'est un don avec lequel on est. Donc, respectez ces hommes et ces femmes-là. Ils font du travail. Ils ont un grand travail. C'est du boulot. La plupart de ces entités-là, ce n'est pas des petites entités. La plupart, c'est des entités aussi charismatiques. C'est des entités aussi lourdes. Donc, eux aussi, ils doivent supporter ça. Ils doivent gérer ça. Leurs familles aussi doivent supporter et gérer ça. Donc, respectez leur travail, s'il vous plaît. Respectez ces gens-là. Apportez-leur le soutien dont ils ont besoin. Et qu'on leur donne enfin la place qu'ils méritent dans nos sociétés africaines. Merci beaucoup. Un Gailluron de Flandre, 120 ans Picardie, 120 ans Picardie, pour y chanter des fables. Des fables de son pays, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la, des fables de son pays. Un Gailluron de Flandre, 120 ans Picardie, 120 ans Picardie. Pour y chanter des fables,
des fables de son pays. Tra-la-la-la, tra-la-la-la-la, des fables de son pays.